Je suis au bout de ta petite rue là, et je suis dépatrié. Il y aura les Grecs aussi. Bah oui. Il y a remité des chats. Oui, qu'est-ce que ça? Un petit peu de lecture. À tout à l'heure. Attendez, on a répété la chorale texte toute la nuit. Hein. Vive la crise, un spectacle sur la crise en Grèce, satirique et politiquement incorrect. Spectacle satirique sur la crise en Grèce, politiquement incorrect. Faut venir avec votre chien. Nathalie, Nathalie, quand vous êtes dans les boulis, Nathalie, Nathalie, quand vous êtes dans les boulis, c'est boulé, le Parlement, c'est boulé, le Parlement. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir, la crise est le pouvoir. Il y a des personnes là, on va l'attendre, il est aux toilettes, on va attendre. Non mais bon, moi, non. On va payer leur dette. Je suis juste à la...
Que le spectacle soit à la perfection. Hein. Travaillez plus pour gagner plus de trésors. Pour passer la soirée avec il cavaliere, pour faire bunga bunga. Ich liebe Griechenland. Il y a de l'argent en Grèce, il y a de l'argent en Grèce. Ok, je sais pas où, mais il y a de l'argent en Grèce. De toute façon, moi je vais le trouver parce que moi je suis super fort, je suis super papa de Léo. Vas-y, descends si t'es un homme, toi, hein? T'es tracaille, c'est un cher. C'est l'heure de médicaments! C'est pas trop tôt, hein, tu vas mettre. Ah, Christine! Ah, me touche pas! Me touche pas! Qu'est-ce qu'il fait, le gamin, là, hein? C'est Spider-Man? Du jeu vidéo? C'est Game of Thrones, hein? Fini, t'as perdu. Un plus deux égale un? Putain, mais ils sont cons, les Grecs! Pas plus que les Français! Et les Allemands, Nicolas, Hitler avait les Grecs en grande estime. Nous, on connaît bien la faiblesse pour l'argent, les pots de vin
l'héritage historique du temple ottoman. La corruption est un sport national dans l'élite grecque. Les politiciens grecs sont les meilleurs athlètes. Les riches politiciennes sont admirées par le peuple grec. Les statues des politiciennes et leurs noms sont partout dans les rues et les places en Grèce. C'est vrai, mon papa il a une statue en Grèce et même des rues avec son nom. Ouais. Vous croyez que moi aussi un jour j'aurai une statue? Ya, ne t'inquiète pas, continue avec ta nouvelle maman. Oui. On a un peu exagéré, hein, avec notre exigence. Hein. C'était de très bons clients, hein. De très bons clients. Et toujours cash, avec un petit plus pour la compagnie. Hein. Les deuxièmes acheteurs d'armes dans le monde, ils achetaient tout et n'importe quoi. Oh, on a été trop loin, Angela. Hein. Maintenant, c'est moi qui paye l'addition. Hein. Les Français m'ont mis à la porte. Bon, je suis aussi conclu, hein. Mais faut que je trouve un boulot. T'as pas d'enfant, toi, hein? Tu sais pas comment c'est difficile de faire des enfants dans ce monde. Et puis trop dur avec le peuple grec. Nein! Il le fallait pour le nouveau Reich. Ça fait trop longtemps que nous l'attendons. Aïe! Je viens de vous envoyer une petite lettre de motivation pour le poste que vous m'avez promis. Vous vous souvenez? Mais vraiment, celui-là, c'est le plus con de tous les Grecs, hein? Nein! Les peuples sont plus ou moins cons. C'est le pouvoir qui fait la différence. Parler d'argent, des crises. Et les gens ont peur. Et la peur est la meilleure façon pour adopter les mesures nécessaires pour l'Europe du futur. Pour l'Europe allemande! Ils ont vraiment cru qu'on allait suivre l'exemple de la Grèce, hein? Mais nous, on a des grosses machines qui gagnent de l'argent, une industrie, hein? Seulement, il faut se débarrasser de certaines professions, hein? Les artistes, par exemple. Le statut d'intermittent du spectacle en France, c'est un scandale, hein? Oui, vous avez raison. Nous, en Allemagne, on n'a pas ces statuts. Et on arrive quand même à avoir un village d'artistes. Et Berlin, il serait fliqueté par des artistes. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'autant d'artistes. Ils sont inutiles. Et on le sait, hein? Et on vous demande pardon. Pardon? Et si vous voulez, je peux venir travailler à Bruxelles, moi. Parce que moi, la Grèce, j'aime pas beaucoup. Enfin, si. L'idée, c'est sympa, c'est vrai. Parce qu'on peut faire du canoë et du sport. Et moi, j'aime bien faire ça. Mais travailler là-bas, moi, j'aime pas. En plus, je comprends pas ce qu'ils disent. Non, mais c'est vrai, hein. Si j'avais pas eu mon traducteur Goldman Sachs pendant les réunions d'État, eh ben, moi, j'aurais rien compris. C'est qui s'y connaît, Goldman, en chiffre, hein? Alors, du coup, ben, moi, je m'occupais des idées officielles. Ah, sacré Goldman, tu vas me manquer. Maintenant, on fait quoi avec eux, hein? On n'a plus de place en France. Déjà se débarrasser des immigrés, hein, c'est pas facile, hein. Mais en plus, amener des Grecs. Ils sont des bons travailleurs. Nous, en Allemagne, on a une grande communauté grecque qui travaille depuis longtemps. On est très contents de leurs résultats. Mais les Grecs en Grèce, ça marche pas du tout. Ils font trop de bruit et coûtent cher. Nous, les Allemands, pouvons les discipliner. Oh. C'est vrai qu'en France, on a Nikos. Hein, il fait de la télé, de la radio, publie des livres, écrit dans 3 journaux, 2 magazines et sur Twitter. Ah, je le suis régulièrement, hein. Un grand fan de la culture grecque. C'est ça la vraie culture. Pas des pièces de merde dans des vieux théâtres en pleine mer, hein. Nous on aime bien le Mouskouri. Ben alors là, vous pouvez la garder. Vous rendriez à la France un grand service. La nation vous en serait éternellement reconnaissante. Et maintenant, on fait quoi avec les Grecs? Vous avez des propositions? Oui, faut les mettre à la porte, hein. Sinon ça va exploser là-bas. Il n'y en a pas un seul qui est capable de gérer leur merdier. Ah, le peuple grec est sympa, hein. Mais les conditions de travail sont loin d'être idéales. C'est le bordel partout. L'État grec est gouverné par des familles et coupe tout envie de création. Le monde politique en Grèce, c'est ce qu'il y a de pire en Europe. Ils sont tous cons. La dernière fois, ils nous ont envoyé un gros ministre des Finances qui, en plus de draguer Carita, n'arrêtait pas de s'empiffrer. Hein. Non, non, c'est impossible. Peut-être pour gérer un hôtel ou un restaurant. Un pays. C'est trop compliqué pour eux, ils n'ont aucune tradition. Non. On leur vend la drague. 20 euros. 100 000 drachmes et ils seront contents. Hein. On avait fait ça pendant l'occupation de la Grèce en 42. Mais c'est très intéressant. Vous êtes à
très bon connaisseur de la Deuxième Guerre mondiale. Mes félicitations. Monsieur le Président. Merci, ma chancelière, vous flattez. Mais là, c'est ces rabats, vous êtes un bel homme. Et ce petit boulot, c'est que moi, je vais bientôt partir de la Grèce. À la rigueur, on leur fait un petit coup d'état, hein. Les Américains adorent ça. Ah oui, je vais rentrer chez moi. The States. J'ai toujours vécu là-bas. Mes plus belles années. Kansas, Green City, Maine. Allez, on rentre. Ah ben c'est pas trop tôt non plus, hein. J'ai rendez-vous au podcast. Ça suffit maintenant, allez. Hey, j'ai pas terminé. Je m'appelle Georges Jeffrey Papandréou. Je suis né de nationalité américaine, à Saint-Paul, dans le Minnesota. Mais en Grèce, on m'appelle Georgios, ou Diorkakis. J'ai vécu aux États-Unis, à Londres et à Stockholm. Mon papa à moi, ben, il s'appelle Andreas. Et ben moi, mon papa à moi, ben, il m'a appelé pour revenir en Grèce quand j'avais 30 ans. Ouais. Depuis, ben, j'ai occupé plein de postes prestigieux. Et mon poste préféré, ben, c'est celui de ministre des Affaires étrangères. Ouais. J'aime beaucoup vos désirs. Et ben moi, ma famille à moi, ben, elle a gouverné ce pays plusieurs fois. Ouais. Mon grand-père, il était premier ministre. Il s'appelait Georges. D'où mon nom. Mon papa aussi, il a été premier ministre. Moi aussi, je suis premier ministre. Même que j'étais élu en 2009, ouais. Avec comme principal slogan... Hé, attendez, je vous le refais. En Grèce, il y a de l'argent. Place du Parlement. Oh, regarde, un souvlaki. On va manger un souvlaki. Mais non, on n'a pas le temps, il y a plein de choses à faire. Oh, tu sais, j'aimerais bien voir ces grands types qui bougent pas. Quoi? À l'entrée, là, avec les grands types. Ça, regarde les épisodes, regarde. Il bouge pas, le mec. Wouh, 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 wouh. Tiens, bah, rapproche-toi, fais une photo. Souriez. Voilà. Bon, on va manger un souvlaki maintenant. Non, écoute, un peu d'histoire. Les Evzon Houtsolias étaient des guerriers qui portaient bien la ceinture à l'époque d'Homère. C'étaient de farouches combattants. L'uniforme des Evzon d'aujourd'hui était porté par des bandits rebelles et des gendarmes. Sous l'occupation ottomane, ces combattants courageux devinrent vite le symbole du soulèvement national. Ainsi vêtus, les jeunes soldats en fière allure. D'autant que les jeunes hommes sont triés sur le volet. Ils mesurent pas moins d'1m80, doivent être beaux et doivent avoir un mental solide. Comme moi, en somme. Oui. Ce régiment prestigieux est très respecté chez les Grecs. Actuellement, son nom désigne les membres de la garde présidentielle, une unité cérémonielle qui garde le Parlement grec. Bon, enfin, il est vachement immobile quand même. Bah, oui, mais je viens de te le dire. C'est fou, t'écoutes pas. Ouais, ça... Non. Parlez de ces lieux stupides, Adèle. Parlez de ces lieux stupides, Adèle. Et non. 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 C'est une mouza, ou faskeloma. C'est le geste d'insulte le plus répandu parmi les Grecs. Il est un peu l'équivalent du bras d'honneur chez nous. Une mouza s'effectue toujours bras tendu. Main ouverte. Vers là où les personnes insultées. Elle est souvent couplée avec les jurons. Pata, oche, na, fissa, metra. Plus le mouvement est rapide, plus l'insulte est forte. Pata, oche, na, fissa, metra. Une version plus agressive existe en utilisant les deux mains, claquant la paume de l'une contre celle de l'autre. Une. Si vous apercevez un grec vous adresser une mouza, c'est que vous avez dû particulièrement l'énerver pour qu'il vous maudisse sur 5 générations. Malaka. Il existe aussi la mouza feintée, que l'on croit se diriger vers quelqu'un qui, au dernier moment, se détourne vers un autre. Na. La mouza en vague, qui rappelle la mer Égée. Na. La mouza financière, qui s'exprime pour des raisons d'argent. Si vous en voyez une,
Vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. Pardon, Mr. Rostow. Voilà ce que je te dois. Pas répéter. Voilà 5. Pas répéter. Voilà 10. Pardon, Mr. Rostow maintenant. Prends ça, je te dois plus rien. Maître. Compte-moi ça. Plus la main est proche du visage, plus l'insulte est forte. Eh non. Parfois, cette insulte peut même se retourner contre soi-même. Non. Oh, il m'est. Pire des crucifix, c'est un demi-momio. Raffi comme est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La tragédie. La tragédie grecque est une manifestation caractéristique de l'Athènes antique. La tragédie occupe une place particulière au sein de la société athénienne. Cependant, pour bien comprendre son fonctionnement, il est important de le remettre dans son contexte politique et religieux. Oh, polis! Oh, polis politimo les chandres! Le théâtre athénien est un acte civique très important dans la vie des citoyens. Aristote l'a défini dans sa poétique comme l'imitation d'une action de caractère élevé et complète qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à de pareilles émotions. J'ai rien compris. Ia philon aklaftos, his nomis! Le 23 avril 2010, Georges Papandréou, premier ministre grec, demande l'aide du FMI et de l'Union européenne. En contrepartie, la Grèce prend une série de mesures qui sera contrôlée par les bailleurs de fonds, le FMI et les pays de la zone euro. La violence des mesures a un impact direct sur le peuple grec. Baisse des salaires, coupure des retraites, augmentation importante des impôts. Personne ne comprend les raisons de la crise financière. Le peuple est traité de voleur, de menteur, de feignant. Des vrais chiffres du déficit. Cela nous a rappelé toutes les erreurs dont nous avons hérité du précédent gouvernement. Nous avons hérité d'un navire prêt à couler, un pays sans crédibilité, un pays qui a perdu le respect de ses amis et partenaires, une économie exposée à la merci et à l'appétit des spéculateurs. Du premier jour, nous avons retroussé nos manches et commencé la tâche ardue pour changer cette sombre situation. Nous avons préparé un plan avec des mesures difficiles et douloureuses. Mais nous avons regagné notre crédibilité. Bonjour, c'est Papadopoulos, votre propriétaire. Dites-moi, vous m'avez toujours pas réglé vos 3 derniers loyers. Quand est-ce que vous comptez le faire? Merci de me rappeler. Καλημέρα, Μητροπούλου, αρετή από Πόσπα. Προστάτε 200 ευρώ. Παρακαλώ, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου. Bonjour, Nikik Zelou, je représente le service des eaux. Et il se trouve que vous n'avez toujours pas réglé votre dernière facture. Merci de nous contacter au plus vite afin de régulariser votre situation, sous peine de nous obliger à vous couper l'eau. Καλησπέρα σας, κυρία Χαρελάμπους. Τα 50 ευρώ για το θερμοσύμπαν, παρακαλώ. Σας παίρνω και δεν σας βρίσκω πουθενά. Επικοινωνήστε μαζί μου το συντομότερο δυνατόν. Bonjour monsieur, je suis le directeur de l'école française d'Athènes. Monsieur, vous n'avez pas payé les 2 derniers trimestres. Merci de régler ce détail au plus vite, sous peine de ne plus accepter votre fils à l'école. Salut, c'est Nikos. Dis-moi, t'aurais les thunes que je t'ai filées parce qu'on me les réclame là. Donc ça serait cool que tu me les rendes. Rappelle, s'il te plaît. Ναι, κυρία Βουδούρη, είμαι. Μου χρωστάτε 3 νίκια. Πότε σκοπεύετε να τα πληρώσετε? Bonjour monsieur, je suis le directeur de l'école française d'Athènes. Monsieur, vous n'avez pas payé les 2 derniers trimestres. Merci de régler ce détail au plus vite, sous peine de ne plus accepter votre fils à l'école. Salut, c'est Nikos. Dis-moi, t'aurais les thunes que je t'ai filées parce qu'on me les réclame là. Donc ça serait cool que tu me les rendes. Rappelle, s'il te plaît. Ναι, κυρία Βουδούρη, είμαι. Μου χρωστάτε 3 νίκια. Πότε σκοπεύετε να τα πληρώσετε? Bonjour monsieur, je suis le directeur de l'école française d'Athènes. Monsieur, vous n'avez pas payé les 2 derniers trimestres. Merci de régler ce détail au plus vite, sous peine de ne plus accepter votre fils à l'école. Salut, c'est Nikos. Dis-moi, t'aurais les thunes que je t'ai filées parce qu'on me les réclame là. Donc ça serait cool que tu me les rendes. Rappelle, s'il te plaît. Ναι, κυρία Βουδούρη, είμαι. Μου χρωστάτε 3 νίκια. Πότε σκοπεύετε να τα Tous au Parlement, c'est parti! Papa André, ministère de voyous! Papa André!
profiter de New York. On cherche un employé, j'en change de métier. Aux orphites de New York, on cherche un employé. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. Hey, 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 oh, hey, oh, hey, 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 saying that three people killed in this fire. In a busy Athens side street, people came to lay flowers at the bank where three workers were killed yesterday in a day of violent protests. Hélène, Dimitra, Nikos, repose en paix. Tropé, j'ai honte d'être grec. Je me présente. Nom, Morides. Prénom, Mélina. Âge, 29 ans. Situation familiale, célibataire. Adresse, Pavloumila 49 Ilioupouli. Téléphone, 69497302. Email, angelpap@web.com. Formation, diplômée d'un master de mathématiques à l'Université d'Athènes et diplômée de comptabilité et gestion. Diplômée d'un MBA, City University of London. Expérience professionnelle, 2004-2008, employée à la Citibank. Depuis 2009, je travaille à l'agence Marfin Bank. Je suis responsable des transactions financières des entreprises. Yeah.
ce qui nous a permis d'atteindre le toit. Hélénie s'est retrouvée dans son bureau, prise au piège par les flammes. Nikos est mort asphyxié dans l'escalier du premier. Il n'a pas eu le temps d'atteindre le second. Dimitra a réussi à atteindre le premier étage, mais elle a été rattrapée par les flammes. On l'a retrouvée morte près du balcon. Ce jour-là, la direction de la banque nous avait prévenus que même si la plupart des agences du quartier seraient fermées à cause de la grande manifestation qui était prévue, nous serions obligés de rester ouverts sous peine de conséquences. Dimitra s'était mariée l'année dernière. Elle était enceinte de 4 mois. Ces derniers jours, Dimitra était très heureuse. La veille, elle venait d'apprendre qu'elle allait avoir un petit garçon.